Merde, c'est l'inverse. Hey yo tout le monde, ça tombe. On est bien reposé, ça fait du bien de dormir. Comme tous les jours, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, vu qu'on est au jour le jour. Mais ça va partir en petite techno mentale, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai branché la 909, la 808, je les ai allumées. J'ai allumé ma chine. On va voir hein, ce qui va se passer. On va aller chercher le son de noise, j'ai envie de tester ça aujourd'hui. Et puis voilà, hein, let's go. Ok, j'aime bien ce petit bruit, donc je vais l'enregistrer, mais vu qu'il est pas du tout calé, je vais aller l'éditer directement sur Ableton. Ok, tac, 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 tac. Sympa, petit groove sympa. On va essayer de mettre des petits cuts au hasard là-dedans. Hop, le vinyle on tège. Hop, ici. Ça groove déjà pas mal. On va complexifier un tout petit peu ce groove avec. Ça fait longtemps que je peux aller là-dedans. Très longtemps même. En carbone decay, c'est un pack. Tu vois, j'ai plein de packs avec lesquels m'amuser de chez Native. Car depuis quelques années, ils m'aident, ils m'entretiennent. Je suis un homme entretenu par Native Instruments, à mon grand plaisir. Et du coup, j'ai des petits packs de samples plutôt cool avec lesquels bosser. Ouais, tu nous fais un petit récap de qu'est-ce que t'as sorti de quoi? Ouais, bah tu peux regarder, regarde. En gros, voilà ce que j'ai pris de la 909. La bass drum. Et vous entendez, il y a des coups qui sont plus forts que d'autres. Et du coup, je me suis servi du step dans accent. J'ai fait un pattern sur 32 pas. Et du coup, j'ai mis des accents différents sur les 32 pas. C'est les petits trucs rouges qui sont allumés. Les petits low tom que je fais passer dans, enfin toute la 808 passe dans la reverb. J'ai mis le plus bas possible, du coup ça fait un espèce de petit noise. Il y a celui-là qui vient de temps en temps. Il y a l'aigu que j'ai mis plus bas que le middle d'ailleurs. Et donc ensemble ça fait ça. À ça, on ajoute la petite clave. Petit truc cristallin. Voilà. La petite open hat, close hat. Voilà. Ce que j'ai fait sur un 909, tout simple. J'ai mis un kick que je vais travailler dans Ableton. Un petit rythmique de tom bass. Qu'on entend là. Voilà, un petit kick sur tous les temps. Et je vais aller m'amuser avec le decay du hat que je passerai dans un petit délai je pense. Et il y a la petite ride qui vient couvrir le tout. Et du coup avec la 808 ça fait. Donc il y a déjà un petit groove intéressant entre les deux machines là. Et après je vais aller triper un peu pour complexifier le groove sur machine. Et après on verra ce qu'on fera pour tout ce qui est lead, mélodie et tutti quanti, tout ce qui s'ensuit tu connais. Donc mais je vais commencer par rec ma 808 et ma 909 parce que vu que j'ai un petit peu de latence, comme ça je vais pouvoir me concentrer vraiment sur un groove additionnel sur machine. Donc en fait le jour où tu auras une clock par exemple, là du coup tu seras pas... Je serai pas emmerdé par ce problème là. Moi quand je compose j'aime bien avoir un son direct et du coup en réalité là je sais que j'ai pas ce qu'il me faut exactement et du coup j'aime bien traiter dans Ableton. Comme ça j'ai direct un rendu déjà de ce que je veux un peu plus et ça peut me permettre d'ajouter plus ou moins de pistes en fait.
Parce que en fonction du son que je vais donner à ça, avec des délais, des trucs, des machins, et ben ça va sûrement me donner envie de mettre moins de pistes. Et mon kick aussi, que je vais envoyer un peu plus dans du traitement, et ben c'est pareil, ça me donnera envie de en mettre moins. Il y a un kick où il y aura un kick moins fort que les autres. J'aime bien, ça donne une cadence un peu. Tu vois, ça donne un mouvement. Ça rajoute un peu de groove, ouais. Un peu de nuance. C'est ouf comment avec des accents on peut obtenir du groove, parce que là je me suis fait avoir parce que je pensais que je trouve que ça groove, tu vois, et j'ai même pas 1% de groove dans la machine, donc c'est d'où l'importance de vraiment mettre des accents dans sa musique, parce que un tiki 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 tout droit, ça vaut pas un tiki 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 tiki, et pourtant c'est exactement la même chose que j'ai joué, tu vois, exactement le même nombre de notes. Analo, on est bon. Parti de vraiment analo, on est bon. Exactement. Là, tu peaufines tes séquences, du coup ? Ouais, j'ai vite fait niveau rythmique, déjà, et... C'est pas de la structuration, encore ? Non, non. Voilà, j'ai faim. Tac, Advent Calendar, le 5. Si je résume, bah j'ai fait des drums. J'ai fait que de la drum, que du groove. De la 909, de la 808, un peu de machine. Mais je suis pas encore satisfait. Je suis pas très satisfait. Il manque le truc qui fasse groover tout le reste. Le groove est trouvé, le groove est installé, il est comme chez lui et me voici avec... Ok, j'ai une petite idée, avec le kick, on va le faire varier. On va faire un espèce de kick un peu plus breaké. Je vais essayer de mettre un peu de modulars. On va voir ce qui en sort aujourd'hui. Ok, on part en règle de modulaire. Oh, dernier petit truc. On va essayer de passer ça. Je vais tester de mettre ma basse là dans mon chorus de Juno que mon cher ZPKF m'a créé. Toujours avoir un ZPKF dans sa vie. Vous allez voir la différence de son parce que j'ai un bypass. Ça, c'est 100. Ça, c'est avec. Ça c'est 100. Ça c'est avec. Ça c'est de la techno, mon pote. Presque dans de l'acide. Complètement, c'est parce que j'ai mis un peu de résonance sur mon filtre. Mais l'acide, c'est simplement de la une résonance sur une fréquence. Je t'ai gratté un peu plus de temps. T'inquiète. T'as commencé à monter ? Ouais, un peu. Okay. Terminer la structure, il me manque plus que faire un peu d'arrangement. C'est un gros tool techno bien drivey, bien berlinois. On va ajouter la petite touche dur sec.
On va mettre le stand percu. Un groove un peu chiant à faire, là, j'ai remarqué tout à l'heure là. Voilà. Ok. Bah là il me reste à arranger. J'ai fait 2-3 petites erreurs pendant mon passage de percu au niveau rythmique. Donc je vais corriger ça. Enfin mettre quelques coupures dans les kicks et dans la basse pour donner un peu de dynamique. Master, un peu de mix, mix, un peu de master plutôt dans cet ordre là et terminons. Hein. J'ai fait la track du jour, c'est terminé. Une track bien mentale, qui va tout droit. Bon layer techno pour mettre avec une ou deux autres tracks. Pas trop compliqué avec un gros stab techno classique. Rendez-vous demain pour le 6e chocolat, si je dis pas de conneries. 6e porte qui s'ouvrira demain. On verra ce qui se passera demain. Je serai encore tout seul si je dis pas de conneries. Et voilà, bientôt la collab. À bientôt.